Ouais, salut les zozos, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo découverte et détente sur ce magnifique jeu, cette petite merveille qui s'appelle Evoland. Donc je tenais à remercier directement Zero Ping, le site zeroping.fr. Merci à toi Blood pour nous avoir eu cette version presse pour tester le jeu et dire nos impressions. Donc ce jeu est totalement indépendant et développé par Shiro Game. Personnellement, ce jeu, je l'ai un petit peu, j'ai un petit peu joué parce que je savais pas à quoi m'attendre. Et c'est vraiment une petite merveille. Je vais vous laisser découvrir tout ça. Vous allez comprendre pourquoi ce jeu se nomme Evoland. Il fait plein de petits clins d'œil à plein de jeux du genre le plus flagrant qui est Zelda et Final Fantasy pour les débuts. Après, je n'ai pas continué l'histoire assez longtemps pour savoir comment ça va se passer. Donc ce jeu sera disponible et est disponible à partir du 4 avril sur Steam pour la modique somme de 9,99€. Donc franchement les oiseaux, si vous aimez les jeux rétro à l'ancienne et de bons petits jeux pour s'éclater, franchement je vous le conseille fortement. Vous avez même pas, voilà, ne regardez même pas le prix, c'est rien, 9,99€, c'est donné. Ça, il vaut vraiment le coup. Personnellement, pour moi, je suis pas tellement fan de ce style de jeu, mais j'ai accroché direct. Vous voulez voir que l'univers est quand même c'est assez rigolo. Je vais lancer de suite, vous allez voir direct comment ça se passe. Donc on recule la souris. Alors direct, on débloque la touche droite. Ok. Donc on débloque la touche gauche. Ok. Et là ça y est, c'est parti. Ça reste un peu limité, mais on a les mouvements en 2D. Donc le jeu évolue constamment comme ça tout au long de l'aventure. Et moi je peux vous dire que franchement c'est une pure merveille. Voilà, franchement au début tu te dis oh là là, qu'est-ce que c'est que ce jeu et tout. Les développeurs ont fait fort. Donc récemment j'avais eu vent d'un jeu qui s'appelait DLC Quest par X. Un jeu qui se moque en fait des DLC. Par exemple, pour avancer dans l'aventure, il faut acheter un DLC, etc., etc. C'était pas mal rigolo. Et là, c'est vrai que le fait d'évoluer tout au long de l'histoire, par exemple là, on découvre le scrolling. Donc en fait, voilà, on peut aller où on veut. Et au fur et à mesure du jeu, en fait, on découvre plusieurs choses qui nous font avancer dans l'histoire. Et franchement, c'est incroyable. Donc, on débloque les effets sonores. Le scrolling homogène. Ok, donc ça nous fera... Voilà, ça évitera, ça évitera un mal de tête. Et tout au long de l'histoire, on avance comme ça. Yes. Donc notre première histoire, notre première épée, pardon. Vous pouvez maintenant tuer les monstres et couper les buissons. Donc ceci vous rappelle quand même Zelda, pour toutes les personnes qui ont joué à l'ancienne sur Game Boy et tout, sur Zelda. Moi ça me rappelle le bon vieux Zelda à l'ancienne. D'accord, on a débloqué les monstres. Donc maintenant, à partir de maintenant, on a les monstres. Ok. La petite musique, Evoland, premier au top 50 depuis 2012. Lol. Donc là c'est parti, on a une petite musique, le jeu commence à ressembler à quelque chose. Donc là je sais... Ah oui, si je me souviens, oui, la petite sphère. Donc on vient de débloquer un point de sauvegarde, une évolution qui a changé les jeux pour toujours. Donc le petit point de sauvegarde qui fait très plaisir, surtout dans les jeux comme ça. Et là on commence par le premier gros changement du jeu, l'affichage 16 couleurs, incroyable, c'est tellement beau. Avec les petits commentaires à chaque fois, c'est super rigolo. Donc vous n'avez pas besoin de la souris pour jouer à ce jeu. Donc je tiens à signaler que si de temps en temps il y a des petits bugs ou quoi, c'est une version d'évolution. Le jeu sorti le 4 avril sera bel et bien débugué. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et vous pouvez voir que même déjà ça se passe plutôt bien. Moi personnellement, attendez, je sais pas s'il va m'attaquer ou pas. Ouais, c'est bon. Les petits jeux comme ça, les petits points de sauvegarde, je les conseille à tout le monde. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors après des siècles de paix, un mal ancien est ressurgi et menace le monde
Devolandia. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des Chevaliers Dragons. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût, mais on dirait que les affaires reprennent. D'accord, donc je pense qu'on vient d'ajouter une histoire à tout ce beau monde. Et voilà, donc originalité stupéfiante. Donc l'histoire, c'est vrai que quand on rajoute une histoire à un jeu, d'un coup ça prend une autre ampleur. Et là c'est ce qu'on vient de faire sur ce jeu. Alors trouver toutes les étoiles des Volandes. Donc ça je pense que c'est une sorte de quête annexe qu'on doit réaliser tout au long du jeu. Trouver ces étoiles, je pense que ça peut nous apporter un peu plus de force, etc. Wow, 256 couleurs display, ça ressemble presque à des vrais graphismes. Donc vous voyez que tout au long ça évolue. Et là ce n'est que le début, on vient de commencer il n'y a même pas 5 minutes. Et vous pouvez voir que déjà ça commence à ressembler à quelque chose de très beau. Quoi de très beau? Oh là. Donc ma première, voilà, game over, appuyez sur une touche action. Donc on peut mourir aussi et on vient de voir que il suffit juste. D'accord. Donc on va appuyer sur espace pour avancer un peu plus vite. Donc, comme un con, j'aurais dû reprendre mon point de sauvegarde. On va remettre les affichages en 256. Il me fait super peur lui parce qu'il avance en diagonale. Et comme j'ai pas tellement l'habitude. Voilà, c'est bon. J'ai pas trop l'habitude. Donc, on vient d'afficher. Ça tombe bien, vous savez lire des trucs. Vous savez lire ces trucs, pardon. Ce chemin est réservé aux aventuriers agiles. Ok. Donc voilà, franchement. Moi, personnellement, je comptais faire un let's play sur ce jeu. Le passage est bloqué par des paires dimensionnelles. Pardon. Essayez le chemin vers l'est. Ok. Mouvement libre. Donc on vient d'ajouter les mouvements. Voilà, en diagonale. Je comptais faire un let's play sur ce jeu, mais j'ai mes deux confrères XVSK et Xeleco, je pense qu'ils vont faire un let's play sur ce jeu. Donc je vous conseillerais d'aller voir ces vidéos, leurs vidéos, si ça vous intéresse. Je pense pas qu'il soit très très long. On va dire, je pense 6 ou 7 heures. Mais pour un jeu qui vaut 9,99€ et développé par voilà, qui est édité par des, qui est totalement indépendant. Franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Je suis pas forcément à l'aise sur des jeux comme ça, parce que franchement, j'ai pas l'habitude de rejouer à ça, à des jeux comme ça. Ça remonte à très longtemps. Vous voyez que voilà, je fail des petits trucs totalement nuls. Mais franchement, ça vaut le coup, franchement, de s'attarder sur un jeu tel que Evoland. Il y a tellement de beaux jeux qui sont développés par des personnes qui ne sont pas connues, par des développeurs indépendants et tout ça. Ça vaut franchement le coup de s'attarder sur tout ça. Donc là j'ai l'épée. Hop là, un petit chemin, qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer? Une petite étoile, ça fait toujours plaisir. La carte chauve-souris, une nouvelle carte pour jouer au Double Twin. Donc je pense qu'on pourra jouer aux cartes. Ok. Ok. Ah mais fuck, putain, j'arrive pas, hein, sérieusement. J'ai du mal avec les touches. En fait, je joue avec les flèches et j'ai énormément de mal. J'ai pas du tout l'habitude, je me rappelle, je jouais à ça avec la Game Boy, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous inquiétez pas, après les graphismes vont améliorer encore. Et vous l'avez bien compris, c'est le but du jeu. Là, je suis retourné au tout début, je crois, là. Bon, mais tant mieux, parce que ça m'a fait prendre une étoile. Donc, est-ce que, comme dans Zelda, on peut, derrière les buissons, se cache souvent des petits jams ou quelque chose? Une nouvelle carte pour jouer, d'accord. Octorak. Oh, qu'est-ce que j'ai? J'hallucine, quoi. Ce jeu me fait péter un plan. T'as la petite musique t'as à l'époque et tout. Non, franchement, je suis vraiment content de vous faire découvrir un jeu comme ça. Ça change de tout ce qui se passe dans l'actualité de nos jours.
Et ça donne un petit peu du rétro. Donne tout ce qu'on connaît avec tout ce qui est poussé, graphisme, du genre le CryEngine 3 ou tout ce qui est Frostbite et tout ça. Là, c'est vraiment un jeu qui est basé sur l'évolution des jeux vidéo. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très agréable de retourner un petit peu aux sources. Ça fait toujours du bien. Ouais, calme-toi. Putain, ils sont encore là. Non, 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 c'est bon. Petite sauvegarde. Qu'est-ce que c'est? Donc, j'étais pas allé plus loin que qu'ici lors de ma vidéo. D'accord. Lors de mon petit test pour regarder si tout fonctionnait convenablement. Oula, oula, oula. D'accord, je croyais que j'étais mort en fait, non. J'ai débloqué un passage. Ok, inventaire, appuyez sur tab. Ok, c'est cool. Donc j'ai une épée, j'ai un inventaire. Carte du monde. Voilà, là putain, voilà. Direct. Quand on m'a dit que ce jeu ressemblait à Final Fantasy. Là, c'est vrai que d'un coup, ça y ressemble énormément. Bataille tour par tour. Voilà, donc ce jeu s'est commencé à se transformer en RPG. Et donc, le petit tour. Donc c'est parti. C'est grave bien fait. Donc ce jeu s'est transformé en RPG. On est passé de Zelda à Final Fantasy. Donc on va suivre le chemin. Sans faire le fifou. Donc mode 7, le meilleur idée de l'année 90. Wow, des slim. Fais leur mal. Merde, j'ai pas dû lever tous ces points de vie. Ah mais c'est bon, j'ai terminé. Yes. Donc les glisses, je sais pas ce que c'est, ça doit être soit de l'argent, soit de l'XP. Le nom des lieux. C'est presque aussi bien que Google Maps. C'est des cheveux, elles sont fadas. Ils sont fadas, la vérité, ils sont fadas. Qu'est-ce qu'il y a là? Une sauvegarde. Ah ouais, ça va être bon ça. Donc qu'est-ce qu'il va? Lui, il va. Donc j'ai bien compris, il fallait taper sur le côté. On va y aller un par un. Hein, parce que déjà que j'ai du mal à avancer. Alors si je vais m'en prendre aux 4 en même temps. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Franchement, il faut pas faire une erreur dans ce jeu. Ça me rappelle, même si ça n'a rien à voir, hein, ça me rappelle Hotline Miami, les jeux. Les jeux comme ça où. Allez, je veux sauvegarder à chaque fois que je tue une sorte de. De chevalier. T'es sérieux? Oh! Elle me casse pas la tête, hein! Il va aller où? Wow, wow! Dans ton terma! Faut anticiper son truc, attendez, je vais sauvegarder au cas où. Merde. Je serais capable de fail ça. Coffre ouvert, tuer les monstres, débloquer parfois des trésors. Ok. Wow. Débloquer village. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, qu'est-ce qui va me. Les PNJ, lol. Désolé, je ne parle pas aux enfants. Ok. Tu parles à qui alors? Oh, une petite fille. Qu'est-ce que tu fais là? Les enfants devraient être couchés. Ouais. Descendre dans le puits, ça paraît très sombre là-dedans. C'est intéressant, il va y avoir des monstres. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Vous trouvez une étrange graine. Voulez-vous la manger? Oui. Yes! J'ai grandi! J'ai grandi! Parce que. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enfants dans les jeux vidéo? Point d'interrogation, je ne sais pas. Yes! Donc j'ai doublé. Putain, on va refaire la collection quoi! C'est pire que Pokémon le truc là! En plus, ils ont que des noms de fous là! Bon là, ça va, celui-là c'est vert, donc c'est pas trop. Donc on a grandi, on peut parler aux gens maintenant? La caverne de cristal au nord est très dangereuse, le fantôme, blablabla, mais personne n'est jamais revenu. Ok. Que veux-tu? Bienvenue au village de. Au village de. Panouki. Quoi? Papoukini. Oh. Papunika. Ok. Passez à mon séjour. Je voulais faire genre à la bien, tu vois, la Papunka.
Alors qu'est-ce que c'est? Maison verte. Vous pouvez maintenant vous incruster chez tout le monde. LOL. Salut, je m'incruste. Salut. Oh. Et j'ai trouvé des potions. Ouais, je savais pas que... Donc c'est pour dormir ça, c'est ça? Donc ça coûte 10 gils. 10 gils, je sais pas comment ils disent. Donc ouais, c'est bien de l'argent. Ok. Sauvegarder la partie, ouais putain, c'est Final Fantasy quoi le jeu. Quoi, ça ressemble fortement à Final Fantasy. Ça fait plaisir de voir tous ces petits clins d'œil. Qu'est-ce qu'il veut le pitchoun? Les adultes ne sont pas drôles avec les enfants. Si seulement j'avais une graine de croissance, je me serais plus enfant. Mais la graine que j'ai trouvée est tombée dans le puits. Y aller trop, ah, je peux pas y aller. Moi, j'y suis allé. Donc j'ai fait tout le tour. Est-ce que qu'est-ce qu'il y a par là? Un coffre. Ok, j'ai retrouvé encore une carte. J'ai trouvé une potion. Donc les tonneaux sont beaucoup utiles pour trouver des choses. Là, ça fait deux fois que je trouve des potions, donc je suis content. Je suis content. Qu'est-ce qu'il y a aussi là? On peut pas y aller? Il faudrait un meilleur équipement pour passer. Ok. D'accord. Pour l'instant, je peux rien faire. Je peux rien faire. Alors là, il n'y a personne. Je pense que ça va ajouter le PNJ. Ok, ouais, c'est un vendeur. Donc, intéressant tout ça. Ah, 50. Hmm. Acheter, vendre, acheter. Pourquoi pas. Queue de phénix, armure de cuivre, carte rare. Donc, on va acheter une épée longue, je pense. Votre attaque a augmenté. Je m'en trouve plus qu'à 50. Non. Donc j'ai acheté une nouvelle épée. Je sais pas si cela fait que je puis... Je peux avancer maintenant ou... Non, toujours pas. Donc à mon avis, il va falloir que je farm. Je crois que c'est ça le mot. Hein. Il va falloir que je farm un peu les monstres. Pour essayer de m'acheter toutes sortes de babioles. Pour pouvoir avancer dans l'histoire. Donc on va se balader sur la map. C'est parti. Vous allez souffrir. Pas de double attaque, ok. Oh, ça va aller vite hein, si je gagne 150 à chaque fois. Donc c'est quelque chose que au début c'est plaisant quand vous jouez à Final Fantasy. Et c'était un truc que vous mettez le seum après. Vous avez envie de fuir tous les combats parce que à chaque fois que vous marchez, vous en avez marre. Eh, j'ai fait que 18. Je vais faire un coup critique, mon gars. Je préfère aller tomber contre des slims. Yes. Au moins, ça me donne plus d'argent. Je vais taper. Non. Donc farmons, farmons. Ok, l'interface elle a complètement changé aussi. Ah, direct. Un slim. Plus de slim. J'ai combien là? 490. On va faire un petit tour. Ah, j'ai vu qu'il y avait un coffre. Papounika. Je peux rien faire quoi. Merde. Mais se tromper là, c'est la blonde. Je veux pas aller voir la blonde. Je vais aller voir le vendeur. Attendez, parce que là, peut-être qu'il y a une potion aussi. Non. Bon, je sais pas comment utiliser les potions par contre. Je vais pas vous mentir. Donc 3 étoiles sur 30 déjà. C'est pas mal. Donc acheter, vendre, sortir. Potion 20.
J'ai combien? 400? Ok. D'accord. Vous êtes prêt à combattre des monstres plus puissants. Ok, c'est sympa. Donc voilà ce que j'ai dans mon inventaire. Ça y est, maintenant je suis un warrior. Et on va pouvoir continuer l'évolution du jeu. C'est bon, je peux y aller. Merci, Glastias. Merci de bonne soirée. Donc qu'est-ce qui se passe par ici? On est reparti. Alors, combat forcé. Quelqu'un appelle à l'aide. Wow. Il va falloir que je me soigne là. Le combat forcé, ça le faisait dans Final Fantasy aussi. Wow! Je l'appelais Béa. Voilà, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Je sais pas pourquoi je l'appelais Béa. Alors, je sais qu'il faut aller là-bas, mais je suis curieux. Donc, je fais le tour. Ok, il n'y a personne. Allez, allons-y, Béa. Par contre, nous, on sait pas comment ça s'appelle. Hein. Donc, maintenant, on se retrouve à deux. Franchement, il a l'air énorme ce truc. Il est putain agressif d'un coup. Commencez à jouer, vous avez plus envie d'arrêter. Les cavernes de cristal. Ah, nous avons trouvé le cristal. Ok. Son pouvoir peut changer notre perception du monde. Et avec lui, nous pourrons combattre le mal qui menace mon village. En fait, j'ai oublié de te demander ton nom. Clink. Oh là, le chacal. Moi, je m'appelle. Je m'appelle Dova. Et qui est Dova Beard. Ok. Merde, pas de Dota. Merde. J'ai dit Dova. Oh, je m'appelle 007. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bond. Je suis un robot venu. En réaliste, vous êtes un être humain, vous aussi. Ben oui, je suis qu'un être humain. Donc un petit coffre. Monstre de caverne. Oh, on dirait que c'est habité. Oh fuck. Bon, ça va, j'ai les poutres. Heureusement, au début, j'ai les poutres. Mais après, je pense pas que ça soit le cas. Donc, il faut trouver son cristal. Allons-y, Béa. Faut lui. Oh non. T'es pas sérieuse. Bon, ça va. Elle commence pas à rater les attaques, toi. Putain, ils font mal, hein. Elle a pas un truc de potion, elle. Moi, je verrai. Je verrai dans le prochain combat. On commence avec qui? On commence avec 007. Magie. Faut connaître les RPG pour savoir ça. Oh, j'ai raté. Quoi? Ah, je préfère. C'est vrai que souvent les femmes avaient le pouvoir de magie de soin. Je me rappelle que dans Final Fantasy, il y avait souvent une personne qui était le healer du groupe. Putain, on va être riche à la fin de la grotte là. Donc je trouve pas mal de choses. Laissez-moi tranquille. Fuck. Elle est sans défense.
Putain, elle rate toutes ses attaques, elle. What the fuck? Ah, vous aurez pu vous apercevoir qu'il y avait un petit bug, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est franchement, c'est minime. Je vous l'ai dit, hein, j'ai une version presse. J'ai eu une version presse du jeu, donc une version totalement finie, on va dire, entre guillemets. Mais il y a quand même 2-3 petits bugs. Eh, des attaques à eux. C'est super chaud, hein. Et donc vous inquiétez pas, lors de la version finale du jeu, ces bugs n'existeront plus. Donc je le répète encore une fois, ce jeu sera disponible sur Steam pour la modique somme de 9,99€. C'est-à-dire c'est carrément donné, hein, faut pas se mentir, faut pas se voiler la face. Pour un jeu qui dure à peu près 7 heures, avec pas mal de petits trucs à faire. Un jeu totalement rétro, qui nous glisse dans... Point d'expérience, vous pouvez gagner des niveaux en combattant. Voilà, ça y est, on commence. Un jeu qui montre l'évolution des jeux vidéo. Je trouve ça totalement plus que fun. Toi, arrête d'attaquer, tu vas faire que healer parce que. D'accord, voilà, j'ai XP direct. Fontaine de vie, curieusement, ça soigne les blessures. Ouais, mais non! D'accord, mais j'ai plus d'argent du coup. Je veux bien sauvegarder la partie, oui. Hop, attendez, parce que je suis passé par un endroit et là ça va refaire un combat. Voilà. Wow, je vais prendre un masse d'XP là. Eh mais elle rate tout. Eh, vous savez quoi, j'avais un perso comme ça aussi sur Final Fantasy 8, je crois, qui ratait tout le temps tout. Il me saoulait. Ah, ça va, elle a réussi à en avoir un. J'ai bien fait de venir. Oui, j'ai trouvé ma petite étoile. Donc il va falloir aussi se mettre en mode fouinasse. Et ben voilà, c'est pas compliqué. Pour essayer de trouver des objets aux quatre coins de... Ben tout au long du jeu en fait, hein. Et les étoiles en font partie, donc je sais pas ce que ça déverrouille les étoiles. Je pense que ça aura une incidence un peu plus tard dans le jeu. Il va pas attaquer. Voilà. Donc je pense que ça aura une incidence un peu plus tard dans le jeu. Bon, sauvegarder. Allez, deux fois. La team du ghetto, quoi. 007 et BA, quoi. N'importe quoi. On va descendre un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Quelque soit, c'est ouvert, mais où? C'est des chacals. Donc le petit coffre. Scaven. Oh là. Et il y en a beaucoup plus que dans Final, hein, quand même. Putain, si je me souviens bien, après les récents. C'est ouvert là, non? Ouais. Ça fait grave longtemps que j'ai pas joué à Final Fantasy. Oh. What fuck? Merde! Boss animé. Il a l'air beaucoup plus. Il a l'air beaucoup plus méchant comme ça. Donc toi, tu vas servir que à healer. Parce que tu fais rien, tu fais nos dégâts. Surtout pas qu'il meure. D'accord. Oh, le chacal.
Donc lui quand il se met en mode fantôme, ok. Et il fait super mal hein. Bon j'en abuse hein, désolé mais je suis bien obligé. J'ai pas envie de perdre ce petit combat. Alors on est bien remonté là. Donc là je peux rien faire. Je peux pas passer mon tour. On peut pas encore faire des attaques spéciales. Ah c'est bon. Allez un dernier coup. Ça va nous faire du bien. Ah ouais c'est vrai, vu que j'ai évolué aussi j'ai un peu plus. J'ai un peu plus de vie. Et c'est bon. Donc 400 glisses et 20 XP. Le cristal était activé. Maintenant, nous devons combattre le mal qui menace mon village. Mais nous devons traverser les mines. Oh là là. Oh, c'est hallucinant. Et là, d'un coup, on se retrouve avec le mode 3D, les oiseaux. Wow. La musique 16 bits, ça y est, on est reparti. Oh, c'est incroyable. Yes, on est repassé en mode Zelda les oiseaux. Oh, c'est hallucinant, franchement ce jeu il est totalement hallucinant. Je vous dis franchement c'est une petite merveille hein. Au début c'est vrai que ça commence avec le petit truc et tout ça en 2D. Là c'est on commence à taper dans du lourd. Et franchement c'est hallucinant. Donc encore une fois on est qu'au tout début du jeu les oiseaux. Donc ça veut dire que plus le jeu va avancer, plus ça va évoluer encore. Plus le jeu va évoluer. Et je pense qu'au final on arrivera avec les graphismes de nos jours. Et ben je pense que ça sera une dinguerie quoi. Et ça fait grave plaisir de voir un jeu comme ça. Là je vais pas vous mentir, je suis tout choqué là du petit mode 3D. J'avais presque pris l'habitude de mon petit mode 2D. Et ça fait grave plaisir, ça fait grave plaisir. Donc pour toutes les personnes qui désiraient voir le let's play de ce jeu, je vous invite à aller voir le let's play de la vue de XVSK ou de Xeleco, je mettrai leurs deux chaînes dans la description. Parce que je pense que c'est vraiment intéressant et moi je pense que je vais le suivre et que je vais finir ce jeu bien entendu. Parce que ça a l'air d'être une dinguerie. Ça vaut vraiment le coup. Tout ça encore pour 9,99€. Oh le petit bug de chauve-souris. Donc j'ai bien envie de détruire tous les buissons pour voir si en fait il y a des petits jams ou quelque chose qui se cache derrière. Comme dans Zelda. La petite musique 16 bits ça fait plaisir aussi. Texture personnalisée, ça y est on a commencé un petit peu. Ah, du coup, vu qu'on est passé en mode 3D, on peut. On dirait le début du jeu, mais c'est ça en plus. Donc, on a amélioré encore les textures du jeu. Incroyable. Je pense qu'il va y avoir encore des améliorations au niveau de la musique, etc. Bah, je pense, de toute façon, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Un coffre. Eh, n'hésitez pas, il faut vraiment faire la fouine. Je pense à une étoile. Dans une carte, ok. J'aurais aimé une étoile. Donc, franchement, n'hésitez pas à faire la fouine. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées par ce jeu, allez vraiment aux quatre coins de la map pour essayer de tout chercher. Donc si je ne m'abuse, c'est par ici que je suis arrivé. Tout à fait. Donc on va repartir vers le début du jeu. Dinguerie ce petit jeu. Franchement, hein, une petite découverte plutôt agréable.
Et je pense que ça vous plaira et que ça en plaira à plus d'un. Je le conseille vraiment à tout le monde. Donc ça change encore un petit peu. Sur ma chaîne, vous avez l'habitude... Putain, attendez, je crois que je me suis perdu là. Vous avez l'habitude de voir beaucoup de jeux différents. Et celui-ci le montre encore une fois. Fallait avoir l'idée, hein. Fallait avoir l'idée de faire ça. Hein. C'est... C'était plutôt bien, bien trouvé. Franchement bien trouvé. Ouais, on se retrouve au début. Donc tout en bas, je me rappelle qu'il y avait un petit passage aussi. Donc je me rappelle plus si c'était par là. On va voir ça de suite. Comme ça fait bizarre d'un coup de voir le monde comme ça. Oh. Petite sauvegarde. Est-ce que c'était par là? C'était par là. Vie bonus. Ok. Ok. Une étoile. Débloquer le zoom. Vous avez l'air cool quand vous ouvrez le coffre. D'accord, donc... le petit zoom quand on ouvre un coffre. Ah, voilà la petite vie que tu récupères en tuant le monstre. Donc ici, il n'y a plus rien. Très, très, très agréable. Ça nous rappelle toute notre jeunesse. Yes, ma petite étoile. Pure merveille, ce jeu. What the fuck, texture HD, ça y est, ça commence. Toujours plus beau, toujours plus fort. Notre perso commence à devenir vraiment très beau. Ça y est, on est parti avec les textures HD. Et je pense que nous, on va s'arrêter là. Parce que j'ai vraiment... j'ai pas envie de vous faire tout découvrir. Je veux vraiment que vous preniez le temps d'apprécier ce jeu. Les mines et le moulin sont juste au sud. Nous pourrons rejoindre mon village en le traversant. J'espère que tout le monde va bien. Dépêchons-nous. Donc vous voyez qu'il y a une petite histoire et tout ça. C'est franchement super bien fait. Écoutez... Evoland. Evoland quoi. Franchement voilà, un jeu je pense que... J'espère qu'il va faire parler de lui. Parce qu'il vaut vraiment le coup. Encore une fois... je suis peu choqué. Parce que c'est vraiment la première fois que je joue à un jeu de ce genre. Il a pas de jeu de genre particulier. Donc un petit récap. Ce jeu montre l'évolution de tous les jeux qui sont sortis depuis la Game Boy on va dire jusqu'à maintenant. Et même plus ancien encore. Vous voyez, quand on refaisait un petit tour, j'ai trouvé une autre chose. Donc franchement, je vous le conseille à tous les oiseaux. Si vous aimez un petit peu des petits jeux comme ça, sans vous prendre la tête, un petit peu rétro. Surtout pour 9,99€, je le répète souvent, mais voilà, c'est rien du tout. C'est rien du tout comparé à tout ce qu'ils nous vendent aujourd'hui à 50-60€, que c'est vraiment de la grosse merde. Là, franchement, c'est un petit truc bien sympathique. Donc voilà. Écoutez, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser beaucoup de commentaires parce que je veux vraiment savoir ce que vous en pensez de ce jeu. Moi personnellement c'est mon petit coup de cœur du moment. Il vaut vraiment la peine. Waouh. Ouais, il vaut vraiment la peine, plus que la peine. Sérieusement. Regardez-moi ça, ça y est, on commence à arriver dans quelque chose de... Un truc de fou. Je veux pas aller plus loin parce que sinon après... Je vais commencer, je vais plus m'arrêter. Je vais voir si on peut toujours combattre des monstres. Je dirais que... Normalement oui, mais... Les petites musiques qui évoluent et au fur et à mesure du jeu. Et là, je vous le dis encore, c'est que le début du jeu, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Franchement, c'est choquant, quoi. Je dis une demi-heure, mais je sais pas combien du tout. Ça fait de temps... Ça fait 40 minutes, exactement. Donc, franchement...
une dinguerie à l'état pur ce petit jeu, une petite merveille. Je vous le conseille fortement encore une fois. Prenez soin de vous, c'était Parano pour la Noctu. Et n'hésitez pas à aller voir le site zeroping.fr que je remercie encore. Un site en fait de gamers. Un site basé sur les jeux PC en tout genre. Et franchement, un très très bon site que je vous conseille, j'ai déjà conseillé. Et franchement, je vous le reconseille encore aujourd'hui pour toutes les personnes qui débarquent. Zeroping.fr, un très très bon site de PCiste fait par des gamers. Et je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir encore regardé, c'était Parano. Allez, peace.